C'est à l'occasion du Comic-Con de San Diego que Marvel Studios est venu présenter les premiers projets de sa phase 4. Parmi ces 11 projets, seulement 6 d'entre eux sont prévus pour le cinéma. Et chacun des films aura un lien avec les séries Disney+, qui arriveront. Pas des moindres, Black Widow reviendra à la vie et David Harbour sera là pour l'accompagner. The Eternals fera l'introduction d'Angelina Jolie et Salma Hayek. Shang-Chi sera le premier super-héros chinois du MCU et introduira Simu Liu dans le rôle principal. Doctor Strange reviendra pour une deuxième aventure et sera épaulé de Scarlet Witch. Et Thor 4 verra le retour de Jane qui deviendra la prochaine Thor. Blade fera aussi son entrée dans le MCU avec l'acteur Mahershala Ali. Cependant, tout comme les X-Men et les 4 Fantastiques, il faudra attendre après 2021. Marvel Studios, c'est aussi des séries Disney+. Et bien que toutes ces séries aient déjà été annoncées par le passé, c'était le moment parfait pour étendre cet univers, mais aussi faire des annonces de casting, de logos et de dates de sortie. D'ici là, rendez-vous sur notre mini-site calendrier marvelstudios.comic.systems pour être tenu au courant de toute l'actualité Marvel.